sunshine. Hello everyone, hello everybody, welcome back to my channel, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous portez très bien, la famille, le business, les projets, et j'espère que quelqu'un a eu le courage ou l'audace de pick up one of des idées de business que j'énumère ici là pour se lancer, d'accord? Quant à moi, je vais très bien, je vous fais plein de bisous, je vous envoie des vibes positif. Vous m'avez tellement manqué, si vous savez. Excusez-moi pour ne pas avoir fait des vidéos depuis longtemps. Pardonnez-moi. Ok, et pour tous ceux-là qui ne me connaissent pas, si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Aïda Sawa. Du coup, je suis basée en Chine à l'industrie mondiale. Bah, excellent. Je suis une entrepreneur e-commerce et également une middle lady. C'est quoi une middle lady ou un middle man? C'est tout simplement quelqu'un qui est entre le fournisseur et le client. Je m'assure de la bonne relation entre les deux parties. Parce que la majorité des Chinois ne parlent pas et ne comprennent pas anglais, ne maîtrisent surtout pas les devises étrangères et n'ont même pas l'intention d'apprendre à connaître les devises ou apprendre à parler les langues étrangères. D'accord? Et je m'assure aussi du contrôle de la qualité, de la quantité de la marchandise du client jusqu'à son expédition. Mon entreprise aussi s'occupe de toute personne qui voudrait se rendre en Chine pour des achats ou pour les foires, pour quoi que ce soit. Donc, nous servons de guide à toutes ces personnes-là. Ok, et nous sommes aussi spécialistes dans les carreaux, dans les fournitures, c'est-à-dire que pour toutes ces personnes de la diaspora qui ont construit au pays, ok, nous pouvons les fournir en carreaux, en meubles, en tout. Il y a tout en Chine. Tout se passe en Chine, d'accord? Et il y a aussi quoi que je voudrais... on fait aussi dans les électroménagers, dans les hôtels, en fait, les fournitures pour des hôtels, les serviettes, les sorties de bain. Nous aidons aussi des personnes à créer leur marque ici en Chine. Et nous fournissons les meilleures qualités sur le marché. Il y a encore quoi? J'espère que je n'ai rien oublié. Parce qu'on est tellement diversifié. On travaille depuis longtemps. C'est juste que on a profité à cause de la pandémie pour venir aussi se présenter en ligne vu que c'est la tendance. D'accord? Sinon, notre entreprise existe depuis longtemps. Ok, si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, la première chose, je t'inviterais à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne plus jamais manquer mes prochaines publications, à liker, à commenter, à partager massivement parce que mon but ultime sur cette chaîne est de venir en aide à ma communauté, de les faire sortir de l'oisiveté, de la pauvreté parce que en réalité c'est le travail qui paye. Sur cette chaîne, je partage avec vous, je partagerai avec vous les secrets de la Chine, les secrets de vente, d'accord? Comment se passe le business en Chine, comment s'en sortir en Chine. Donc, c'est ça. Et maintenant, il est vrai que j'ai toujours dit que je vais aider mes frères et sœurs sur la de l'oisiveté et de la pauvreté, pardon. Il y a des questions qui me reviennent tout le temps. Grande sœur, tantine, maman, combien il me faut? J'aurais même avec 50, mais si je pouvais, j'allais pouvoir vous aider. Mais le problème, ce sont les fournisseurs chinois qui refusent. En fait, la Chine, c'est la loi du nombre. Les Chinois vendent en quantité et c'est normal. Le processus est long. Je vais faire une vidéo spéciale pour ça. Ok, donc je peux pas, ce n'est pas de ma faute comme je le dis. Donc je préfère que pour un début quelqu'un vienne avec avec 300 000, oui, le minimum. Oui, parce que je pense qu'avec ça, vous pouvez acheter peut-être quelques articles, oui, avec les quantités qu'ils veulent, hein, le minimum, là, le MOQ. Donc je ne sais pas comment je vais dire ça. C'est le MOQ, minimum order quantity, ok? C'est comme ça qu'on appelle ça. Ce n'est pas de ma faute. Et donc, c'est un peu ça. Bon, aujourd'hui, il y a des gens qui me disent aussi, comment tu fais? Tu es courageuse, tu es ceci, tu es cela. Je vous apprécie. Je bénis aussi tous ceux-là qui s'abonnent à ma chaîne tous les jours. Je bénis aussi tous ceux-là qui m'envoient des bonnes vibes, qui m'envoient de beaux messages d'encouragement. Et tous ceux-là qui m'ont écrit pour me souhaiter bonne guérison, que Dieu vous bénisse. Continuez à vous abonner, à partager. Et je vous prie de faire des commentaires dans les vidéos, s'il vous plaît. Plutôt que de venir faire des commentaires, maybe on WhatsApp, it's better you do it on my vidéo, ok? Comme ça permet à YouTube
de me référencer, de propulser aussi ma chaîne. D'accord, je pense que c'est ce que je voulais dire au début. Bon, aujourd'hui, je suis venue imprévu avec quelques idées de business à vous présenter. D'accord, il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur, c'est le travail qui paye. Il faut bien commencer quelque part. Si tu as un projet, moi je dis toujours, moi je suis personne, j'ai commencé au bas de l'échelle. Mon arrivée ici, ce n'était pas facile, c'était très compliqué, c'était très très difficile pour moi. Vous savez déjà que c'est tellement dur que vous savez, vous avez un enfant. Ok, qui prend le lait. C'est-à-dire que peut-être on dit pour un enfant de 6 mois, peut-être pour le lait, pour faire peut-être le lait à l'enfant, il faut peut-être 5 cuillerées, voire 7 cuillerées de lait. Mais je mettais peut-être 4 parce que j'avais tellement peur que le lait finisse. Donc j'étais dans ce genre de conditions-là. Sachez que c'est comme vous vivez en ce moment, vous pouvez vous en sortir. Sachez qu'il n'y a que vous, il n'y a que vous et vous seul. Vous pourriez changer les choses. N'espérez pas un quelconque miracle, ça n'existe pas, je vous assure. Et puis, allez, c'est vrai, j'adore Dieu, j'adore à la prosternation. Je suis heureuse, fière, heureuse d'être son serviteur, d'être son esclave. Ok? Mais je vous dis une vérité. Aidez-vous pour que le ciel vous vienne en aide. D'accord? Ça ne sert à rien de partir jeûner, prier, passer tout le temps à la mosquée ou bien à l'église sans effectuer des efforts. Vous devez aussi provoquer la chance. Vous devez aussi travailler. Sans cela, vous ne pouvez pas. S'il faut que vous alliez même, être de nous quelque part pour débuter, faites-le, s'il vous plaît. Faites-le. Moi que vous parle là, je vous ai toujours dit, j'ai commencé ici en tant que vendeuse ambulante de samoussa et de jus de gingembre. D'accord? Ça n'a pas été facile pour moi. Au début, je n'avais même pas les documents. Hein. J'ai dû me battre. J'ai dû me battre pour arriver où je suis aujourd'hui. Donc, toi qui aimes un célibataire là, tu peux aussi t'en sortir. Il est vrai qu'il y a certaines lois aussi que j'ai appliquées. Peut-être avec le temps, je vais en parler et je dois m'en parler parce que ça va beaucoup vous aider. D'accord? Et aussi, soyez obéissant à vos parents et à... Obéissez aussi à Dieu parce qu'on n'y gagne rien en désobéissant, je vous le promets. On n'y gagne rien. Dieu n'a pas besoin de nous. Nous, on a besoin de lui. C'est ça qui est la vérité. Bon, sans plus tarder, je vais commencer par énumérer les idées de business que j'ai réservées pour vous. Je vais toujours le dire. On me dit souvent, on me demande souvent, tes idées de business, ça vient d'où? Où est-ce que tu prends? Je ne vais même pas sur Google Trends parce que everybody will not buy, will not sell clothes, everybody will not, comment je vais dire? Tout le monde ne va pas vendre les bijoux, tout le monde ne va pas vendre les gaines. Chacun a son, on va dire, son couloir, mon Dieu, Cameroun. Moi, je ne vais pas se bouger. C'est que moi, je regarde la tendance, je regarde le monde. Et puis, j'aime bien énumérer les idées de business qui évoluent au fur et à mesure. Je n'aime pas les business qui s'instaurent. C'est-à-dire que c'est la période, si ça marche, après, tu te lances dans ça. Après, quand ça s'arrête. Donc, en fait, je regarde la tendance. Bon, la première idée que je vais énumérer pour vous aujourd'hui, c'est, je vais regarder dans mon cahier, c'est un studio photo pour shooting, ok? Parce que ça pousse ici en Chine comme des champignons. C'est grâce à ça, ce sont ces photos-là qu'on utilise pour vous vendre la marchandise. Et croyez-moi, je vais vous dire, vous les vendeurs de vêtements là, quand vous achetez une marchandise, il vaut mieux prendre vos photos personnelles parce que ce n'est pas bien. Moi, je trouve que ce n'est pas bien d'utiliser les mêmes photos que le fournisseur a utilisé. C'est pas... Vous savez, moi, je suis des youtubeurs américains, donc des femmes qui font les 50 000 dollars par mois, les 70 000 dollars, les 30 000 dollars par mois. Donc, je regarde un peu comment les filles font. Donc, aucune de ces filles-là n'utilise les photos des fournisseurs. Parce que souvent, je suis amie en Facebook avec des femmes qui vendent des vêtements. Par exemple, la photo que le fournisseur t'a donnée, il a donné ça à 100 000 personnes. Du coup, sur mon story, je vois dans une même robe, je vois ça au moins 500 fois la journée. Mais dis donc, come on, girls, changez un peu. C'est-à-dire que achetez vos articles, oui. Donc, en fait, l'idée de business, c'est quoi? C'est un studio photo pour shooting. C'est-à-dire quoi? Votre travail, c'est quoi? C'est-à-dire que vous prenez même votre chambre ou votre salon à la maison, vous achetez ce qu'il faut, un Dropbox, les accessoires pour, pour un début, vous pouvez d'abord utiliser votre téléphone, vous pouvez d'abord utiliser votre téléphone parce que j'aurais bien voulu faire cette petite vidéo, inclure la petite vidéo là ici, là, mais votre téléphone est tellement chargé parce que quand on marche dans la rue, vous allez voir plein de jeunes chinois. Quand je dis jeunes chinois, c'est les enfants de 19 ans, 20 ans qui font des photos shooting
pour les fournisseurs. Donc, c'est une excellente idée de business pour les Africains aussi. Vous pouvez aussi vous positionner dans ça. C'est une excellente idée de business. Aujourd'hui, le business en ligne est en train de... Donc, le e-commerce est en train d'exploser. D'accord? On aura besoin de ça. Donc, ça, on est déjà rentré dans l'ère du e-commerce. On va toujours vendre en ligne. On aura besoin des gens comme vous, des personnes qui pourront faire des photoshootings pour des fournisseurs, pour des personnes qui veulent qu'on présente très bien leurs marchandises. Parce que moi-même, je... Avec le temps, je ne vais pas passer. Si je parle trop ici, là, ça va, baby, ça va rendre la vidéo très longue. Mais moi, je suis en train de me former même dessus. Je suis même celle qui fait mes montages. Hein. Je sais faire plein de choses, OK? Donc, faites ça. Voilà une excellente idée de business. La deuxième idée de business, toujours dans les histoires, toujours dans le e-commerce, c'est le montage des vidéos, s'il vous plaît. Il y a des gens qui me demandent, je veux commencer, je n'ai pas de l'argent. Moi, j'ai dit que la plus grande université du monde, c'est YouTube. Moi-même, j'apprends que c'est YouTube. Donc, allez au YouTube, apprenez à faire des vidéos. D'accord? Apprenez à faire des montages. Parce qu'on aura besoin de vous. Aujourd'hui, tout, c'est le montage. D'accord? Apprenez à faire des montages et puis proposez vos services online. Online, toujours. C'est-à-dire que vous faites des petits montages là que vous postez sur vos stories, sur vos profils, et puis vous présentez vos services aux gens. C'est comme ça que petit à petit, vous allez vous faire. Moi, la troisième idée de business. Taisha, please, ne vous fâchez pas, je vais regarder ici, là, c'est le business dans le packaging. Oui, le business dans le packaging. Mon Dieu. Ça, là. Vous savez que l'idée de business, là, c'est, je vous dis que celui qui a des moyens, il n'a qu'à se lancer dans ça parce que vous savez très bien que sur notre continent, on a un gros problème. On sait faire beaucoup de choses, les produits de beauté, on sait faire plein de choses, mais le packaging, c'est pas pour avoir. C'est-à-dire que quand on rentre dans un supermarché en Afrique, on sait discerner, on peut bien faire la différence entre produits locaux et entre produits de l'étranger. Et ça, ce n'est pas bien. Il y a le packaging, il y a les paquets de toutes sortes en Chine. Je peux vous aider à les acheter. D'accord? Il y en a. Voilà une excellente idée de business. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a contacté depuis le Cameroun qui veut se lancer parce que le gars me dit que... Je lui demande pourquoi tu veux te lancer dans ça. Parce qu'il dit qu'il a remarqué que dans presque toutes mes vidéos, j'insiste toujours au niveau du packaging. Et lui, en fait, comme j'insiste trop au niveau du packaging, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans le supermarché, en fait, pour faire ce constat-là. Il a constaté que, effectivement, les produits locaux ne sont pas jolis. Enfin, tous les produits qui proviennent de l'Afrique, même les gens qui présentent leurs produits en ligne, ils n'ont pas de, ils n'ont pas de jolis paquets. Ok, et puis aussi il m'a dit qu'il avait une petite compétence dans les histoires de photos, c'est-à-dire que dans le branding aussi. Donc, en fait, il voulait que je l'aide à acheter des contenants ici là pour commencer à proposer aux commerçants ou à tous ces jeunes entrepreneurs là qui veulent lancer leurs entreprises. Ok, donc pour tous ceux là qui ont les moyens, tous ceux là qui cherchent un secteur où se lancer, tout le monde ne sera pas vendeur de mèches. Tout le monde ne sera pas vendeur des habits enfants. Donc, il y a beaucoup de choses où l'on peut se positionner. Des choses qui vont vous donner énormément d'argent. Je vous assure que si vous êtes vendeur de packaging, vous allez livrer partout en Afrique. Parce qu'il n'y en a pas. Le problème avec la Chine, c'est que les Chinois, ils produisent en grande quantité. C'est-à-dire qu'il faut 12 000 pièces, il faut 6 000 pièces. Par exemple, pour quelqu'un qui fait les produits de beauté, je lui ai fait, on a dit, 13 000 pièces et elle a pris. Parce que ça ne coûte presque rien. D'accord? Donc, voilà un excellent secteur. Et pour se faire voir, c'est toujours en ligne. Toujours et toujours et toujours en ligne. Ok? Désolé pour tout le bruit là. Il y a mon fils qui est en train de jouer là avec son père. Il fait trop de bruit. Excusez-moi, le bruit se vient de l'extérieur. Donc, il faut que je me suis décidé de faire cette vidéo et je vais la faire aujourd'hui. Pardonnez tous ces bruits là, ok? La quatrième idée que je vais vous énumérer ici, c'est les directs. D'accord? Comment on va dire faire les directs dans les boutiques. Vous savez pourquoi j'aime ce pays? Parce que ici on ne blague pas. Les idées de business ici là, c'est un foison. C'est grave. Dans ce pays, on aime tellement l'argent que
bientôt même le chinois pour dire bonjour va demander l'argent. Tout se paye ici, du coup, ils ne blaguent pas avec le travail, c'est des bosseurs, ok? Donc, il y a quelque chose qui se passe ici en Chine. En fait, je vais profiter pour ce business-ci, c'est pour tous ceux-là qui ont de la notoriété en ligne, pour tous ceux-là qui aiment les likes, qui passent le temps à se filmer, excusez-moi, aller poster des photos, pour tous ceux-là qui ont des 500 000 amis et, que ça ne les sert à rien, d'accord? C'est-à-dire que c'est pour tous ceux-là aussi qui veulent se lancer en ligne et qui me demandent toujours tant que je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les fonds. Voilà une excellente idée de business. Faire les directs dans les boutiques. Il y a une nouvelle tendance ici en Chine. Je vais essayer d'incorporer la vidéo pour que vous essayiez d'avoir une idée. C'est quoi? Qu'est-ce que les jeunes chinoises, surtout les filles, font dans des boutiques, des grandes boutiques de luxe où on voit des bijoux, les habits, les chaussures? Ils vont là-bas, ils vont converser avec le fournisseur. Le fournisseur la laisse faire la vidéo, le direct. C'est-à-dire que tous les achats qu'on va faire, elle les gagne, le fournisseur gagne. D'accord? Et acheter comme ça en ligne, les Chinois en ligne, ça coûte très cher, les directs comme ça. C'est-à-dire que ce sont des boutiques que moi aussi j'achète les articles là-bas pour mes clients. Ok? C'est-à-dire que si quelque chose peut-être coûtait peut-être 7 dollars là-bas, la Chinoise revend ça en ligne, en direct comme ça, là, 20 dollars. Et on achète. Les Chinois, c'est des acheteurs compulsifs. Il y en a toujours ici. Aujourd'hui, ce n'est même pas seulement en Chine. Je suis remarqué qu'il y a plusieurs personnes là qui font des lives en direct. Les gens achètent directement, ok? Donc, voilà aussi une excellente idée de business que vous pouvez faire. D'accord? Vous pouvez aussi aller voir un commerçant au marché qui a une très belle boutique. Et évitez surtout même de prendre le nom de la boutique. Ne citez pas ça parce qu'elles ne font jamais cette erreur. Ne citez pas, ne montrez même pas l'entrée. Rentrez seulement dans la boutique. Après avoir causé avec le fournisseur, avec celui qui possède la boutique, s'il est d'accord, vous allumez votre téléphone, votre caméra et puis vous commencez. D'accord? Il y a même beaucoup de lumière dans les boutiques, vous n'avez pas besoin de ring light. Ok? Avec votre téléphone, vous commencez à faire des lives. Il est vrai que peut-être au début, peut-être on ne va pas vous connaître, ok? Mais avec le temps, les gens commencent à se familiariser à vous. Et puis, voilà comment ça va aller. Moi, je pense que c'est une excellente idée de business. Parce que moi, j'ai posté ça sur mon Facebook. Les gens ont beaucoup aimé cette idée. Et comme les gens ont beaucoup liké cette idée-là, j'ai donc préféré venir aussi énumérer ça. J'ai aussi voulu venir vous présenter ça comme idée de business. Maintenant, c'est à celui qui veut, il le prend. Celui qui veut, d'accord, c'est à vous de voir. Je suis seulement là pour vous apporter mon aide, ok? Je n'ai pas le monopole du savoir. Et dites-moi aussi en commentaire le type de sujet, de tendance, hein, le type de business qui marche beaucoup plus dans vos pays, dans vos zones. Dites-moi toi. Hello, hello, je suis là. Nous sommes là pour des bijoux. Nous sommes très nombreux là en train de faire les vidéos. Mais moi, je n'ai pas fait le live parce que mon téléphone est déjà déchargé. C'est la propriétaire de ce shop-là, le shop de bijoux que vous voyez là. Vous voyez, il y a des gens derrière qui font des lives. Ce sont des Chinois qui viennent ici, qui ne travaillent pas ici, mais qui viennent poser avec le propriétaire. Et on leur permet de faire les directs. Ils commencent à vendre, ok? Le propriétaire gagne. Eux aussi, ils gagnent quoi? Il faut se battre, hein? Ok? Donc, je suis là. Que vous regardez. Le business que j'ai réservé pour vous ici, là, c'est la vente des machines industrielles ou semi-industrielles. Parce que vous savez très bien que notre continent produit énormément, mais ne transforme presque rien. La majorité de nos produits transformés proviennent de l'étranger. Du coup, un couloir où quelqu'un peut bien se positionner. Parce que sur notre continent, on n'a pas de machines. On n'a pas de machines pour transformer les produits, d'accord? Or, la transformation des produits propulse un pays, apporte une valeur ajoutée à un pays, ok? C'est ça qui fait la force même de la Chine, ok? Et puis, dans ce pays, j'aime ce pays, il y a toutes les machines, des machines que vous ne pouvez même pas soupçonner l'existence, ça existe dans ce pays. Au plus grand comme au tout petit, au plus petit comme au plus grand, ok? Donc, vous pouvez,
vous positionner là, être, avoir un catalogue où vous présentez des machines aux industriels ou aux semi-industriels ou aux petites entreprises. Vous pouvez aller auprès d'eux, proposer des machines. Vous pouvez aussi en avoir. Il faut que vous ayez aussi quelques machines, hein. Surtout peut-être des personnes qui vendent déjà des mixeurs. Il faut que vous ne pas des mixeurs, des petites machines peut-être pour moudre les épices secs. Et ici, vous savez qu'il y a même la machine ici pour le jus de gingembre, il y a, vous ne pouvez même pas vous. Les Chinois, c'est des personnes, donc, ils sont fabuleux, Dieu leur a beaucoup donné. Oui, je ne sais pas pourquoi on raconte n'importe quoi sur eux, c'est des personnes qui font du faux. Restez là, continuez à leur raconter, ils sont devant, hein. Et puis ils n'ont aucune estime pour nous, aucun respect pour nous, il faut que je vous dise la vérité. Pourquoi? Parce qu'on est tout le temps en train de les dénigrer alors qu'on n'a jamais rien foutu. Ok, je ne sais pas qui vous a planté dans le cerveau qu'en Chine, on ne fait que des choses de mauvaise qualité. Et même, je suis même déçue parce que la majorité des gens qui viennent vers moi, certaines personnes qui n'ont jamais acheté en Chine, quand ils viennent chez moi, ils viennent pensant qu'avec moi, comme c'est la Chine, ils vont avoir des produits à très bas prix. Mais non, je vous dis non. Non, envers le soir, it's not like that. Je suis vraiment désolée. Et puis, c'est un type de qualité de produit que j'ai dit que je ne fournirai pas. Et puis, ces trucs de mauvaise qualité, sachez que ça ne se retrouve pas sur le marché ici. Vous devez faire en très grande quantité qu'on va fabriquer dans des provinces, de la province là directement à votre pays. Ça ne se retrouve pas ici dans les marchés. D'accord? Donc, vous pouvez vous positionner là, vous pouvez me contacter, je vais vous aider à vous fournir des marchandises et avec des catalogues. Vous pouvez aller auprès des industriels ou les semi-industriels, proposer ces machines-là afin de les aider à transformer leurs produits. D'accord? Bon, c'est ce que j'avais voulu partager avec vous aujourd'hui. J'espère que elle sera instructive, elle aurait apporté quelque chose. En fait, j'espère qu'elle vous aurait aidé à apporter un plus. J'espère que ça aurait. Ma vidéo va aider certaines personnes à comprendre certaines choses qu'elles ne comprenaient pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. À me poser des questions, je vous répondrai, Inch'Allah. On se dit à la prochaine. Je vous aime tous. Que Dieu vous garde. God bless. Love you all.